qui a été financé, je pense. Le transport vinois ? Oui. Oui, elle a été financée en 2012 et puis elle a été... Trois études qui ont servi à rien. Elle a été reprise... Si, elle a servi à définir un petit peu, à définir l'ensemble déjà, à définir. Et quand elle a été reprise, ces études ont été intégrées dedans, ils n'ont pas été refinancées. Ça avait été une source aussi d'inquiétude, parce qu'on se dit, on va reprendre des études, parce que vous savez qu'entre 2012 et 2014, les études sont restées là, on ne pouvait pas se dire, nous, on reprend un cabinet, mais on a repris le fameux cabinet qui travaillait avec nous, le maître d'œuvre, on l'a repris, mais en l'obligeant à reprendre les études qui ont déjà été faites, pour justement ne pas remettre des coups. Et c'était quoi les résultats des études ? Eh bien, le résultat, il était de là que les communes étaient obligées de se raccorder pour avoir une autre qualité sur le captage du Provinois. L'étude de faisabilité du départ qui a été engendrée par la communauté de communes du Provinois. Par qui elle a été réalisée, cette étude, vous savez ? Je ne sais plus le nom du cabinet. Je n'ai plus le nom du cabinet en tête. Mais c'est pas SCE puisque c'était chez nous. Je ne saurais pas vous dire là, comme ça, brûle pour point, je ne sais pas vous dire ce cabinet. Mais toutes les études de ce cabinet ont été reprises en intégralité, ont été prises en compte justement pour ne pas revenir dessus pour repayer ces études-là. Donc ils ont été peaufinés, affinés pour savoir si c'était des études qui étaient. Concrète, enfin, c'est avéré que les études étaient bonnes, voilà, donc ce qui fait que c'est ce qui a abouti au transprovinois, en fin de compte. C'est la solution qui a été travaillée et creusée, il n'y a pas eu de solution alternative. Donc c'est le meilleur choix que vous avez fait. Vous savez bien qu'une étude, quand une étude est faite, c'est pas fait sur un point sensible, surtout sur un syndicat comme ça. Quand on dit déjà qu'il y a une enveloppe de 40 millions d'euros, vous pouvez comprendre que c'est pas une étude qui est faite à la légère. Donc il y a quand même eu toutes les possibilités, tous les points qui ont été faits, qui ont été vus. Et puis d'aller chercher l'eau au plus près, parce que le fait aussi, c'est pas d'aller chercher l'eau... je ne sais où, ou au plus près. Alors vous allez peut-être me redire, il y en a là à 300 mètres de chez nous. Je l'ai entendu. Mais voilà, évidemment, c'est la première question que je me suis posée. Moi, quand je suis arrivé à habiter à Savin en 97, j'ai entendu, je me suis dit, y a des tuyaux qui passent ici, pourquoi on ne branche pas là pour payer une station ? On a tous la même question, le pourquoi du comment, mais on en arrive toujours à la même réponse. Fabrice en a donné un aperçu là. Et voilà, le traitement des pesticides, Haute-Paris, c'est spécial, voilà quoi. Donc peut-être qu'aujourd'hui, Haute-Paris ont d'autres dispositions, mais ce qui fait qu'à l'époque où on nous a obligés, la sous-préfecture, la préfecture nous a obligés de se rendre compte, de se dire c'est ensemble ou personne, ou sinon les subventions terminées... Donc voilà, il a fallu prendre la décision. La décision, elle a été prise là. Voilà. On est pas contre notre gré, mais presque. Et si vous aviez des conseils, parce que la décision définitive, elle est prise ou elle va être prise ? Elle est prise. Au jour d'aujourd'hui, depuis 2015, on n'arrête pas les travaux qui ont été engendrés. L'argent qui a été mis, là, l'étude d'avant-projet a été faite. On est en pleine étude de projet. Le phasage a été fait. Le tracé a été réalisé. Les travaux vont commencer premier semestre 2020. Et on sera les premiers servis. C'est-à-dire qu'on sera les premiers raccordés. On commence le phasage du bas en remontant. Et donc, ce qui fait que les autres phases, parce qu'en fin de compte, ça marche par phase pour les financements, c'est 4 enveloppes de 10 millions d'euros à chaque fois. Donc, il faut quand même les financer. Donc, il faut que l'argent rentre au fur et à mesure. Les subventions et tout, il faut que ça rentre. Donc, sur les deux premières phases, on est sûr de pouvoir les faire, comme disait Fabrice, avec les subventions. Après les autres, ils doivent suivre. Après, ça dépendra du dernier plan de l'eau et puis de l'agence de l'eau sur les pourcentages. Parce que si les pourcentages sont revenus à la baisse, vous comprendrez que forcément, il va falloir trouver d'autres financements. Donc voilà. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les travaux sont déjà prévus. Sont prévus et commenceront au premier semestre 2020. Quel est le droit de revenir ?